Le club Honda Classic a été créé en 2009 suite à la rencontre avec deux pilotes japonais émérites qui avaient fait le rallye de Monte Carlo il y a 30 ans, en 1979 et en 1980, et qui nous ont demandé de restaurer leur voiture de course. Donc cette première démarche nous a orienté sur le fait qu'il fallait peut-être commencer à communiquer sur les produits Honda de plus de 30 ans. L'objectif d'un club, c'est se retrouver, se fédérer, avoir des solutions pour réparer sa voiture, mais c'est aussi rouler et prendre du plaisir à se retrouver ensemble. Nous sommes présents sur le salon Epocoto depuis l'année 2009, donc tous les ans nous sommes présents. Nous exposons des voitures de course, des Civic, des CRX, des motos de la marque. Cette année, nous célébrons les 30 ans du CRX première génération. Les autres clubs Honda ne sont pas en reste non plus, puisque nos amis du CB750 Club nous prêtent tous les ans une moto. Ce qui permet à toute la famille Honda de se retrouver, puisque Honda, avant d'être des voitures, ce sont surtout des amateurs de cycles et donc des amateurs de deux roues. En prolongement de l'anniversaire du coupé CRX première génération, donc il y a 30 ans cette année, il était nécessaire, je pense, de faire un petit clin d'œil à Honda qui revient en tant que motoriste pour la Formule 1 dans 2 ans. Honda revient avec une technologie qu'ils ont maîtrisée dans la fin des années 80, qui est le moteur turbo. La Williams que nous exposons cette année est la première voiture, le premier châssis qui leur a permis de devenir champion du monde des constructeurs en 1986 avec Williams. Et avec Nelson Piquet qui a eu le titre des championnats des conducteurs. L'avenir sera fait de nos rêves si nous avons le courage de bousculer les idées reçues. C'était la devise de Soichiro Honda. Pour l'avenir, nous continuons de travailler sur la restauration de la Civic Mugen qui doit s'engager dans le championnat de France des véhicules de tourisme dans le trophée Maximil. Nous continuons à travailler sur la restauration, toujours pareil, d'une Civic pour le rallye de Monte Carlo historique, puisqu'il y a beaucoup de demandes et beaucoup de personnes sont intéressées pour faire du rallye historique. Nous espérons continuer à nous retrouver, toujours de plus en plus nombreux, et de partager le plaisir de rouler dans nos bolides marqués du H.